Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu encore pour ces moments favorables. Dieu qui nous a fait grâce encore dans sa présence. Dieu qui nous a fait grâce encore ce soir, ce matin, là où tu es pour sa parole. Oh, qu'il soit béni parce qu'il est bien, il est bon notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la part du Seigneur. Dans les livres de Genèse, bien-aimés, nous allons essayer un peu d'étudier cette histoire d'Abraham qui a vu beaucoup de choses. Abraham qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Bien-aimés, tu sais, dans la vie, on traverse beaucoup de choses. Dans la vie, nous traversons beaucoup de circonstances. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se présentent. Dans la vie, les circonstances, les choses peuvent être bonnes ou les mauvaises. Mais nous allons voir ici, la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 15. On va lire au 15e. La Bible dit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Oh, gloire au Seigneur. Je bénis Dieu parce qu'il est bon. La Bible déclare, après ces événements, Abraham qui a traversé beaucoup d'événements dans sa vie, Abraham a été visité par le Melchisédek. Abraham a donné les dîmes des dîmes. Abraham a cherché la face de Dieu. Abraham a cherché la présence de Dieu. Mais écoutez, la Bible dit, il y a des événements qui ont succédé à la vie d'Abraham. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas les événements que tu as traversés. Mais la Bible dit, après ces événements, peut-être que tu as traversé des événements noirs dans ta vie. Peut-être que tu as traversé des moments horribles dans ta vie. Peut-être que tu as traversé des moments qu'on ne peut même pas parler. Tu as beaucoup pleuré. Peut-être que des événements que tu as vus. Mais tu as beaucoup perdu des choses. Abraham aussi avait vécu ces choses. Mais la Bible déclare, après ces événements, Dieu dit à Abraham, dans une vision, Dieu parla à Abraham, « Abraham, ne crains point, Abraham, n'aie pas peur, ne crains point, parce que je suis ton bouclier, parce que je suis ton Dieu, parce que c'est moi l'Éternel. » Oh bien-aimé, les événements peuvent être les bons, les événements peuvent être les mauvais. Mais la Bible dit, oh Abraham, ne crains rien, ne crains point, parce que je suis ton bouclier. Peut-être que tu as perdu ton mari, peut-être que tu as perdu ta femme, c'est un événement. Peut-être que tu t'es marié, aujourd'hui tu n'as pas des enfants, c'est un événement. Le mariage, c'est un événement. La stérilité, c'est un événement. Bien aimé, le chômage est un événement. Mais écoute ce que Dieu dit. Après cela, après toutes ces choses, Dieu veut dire à quelqu'un, Dieu veut te dire aujourd'hui, ne crains point, n'ayez pas peur, puisque la Bible déclare, oh notre Dieu, c'est un Dieu d'avenir. La Bible déclare, oubliez le passé, pense maintenant à ton avenir. Alléluia. Oh les événements. Bien, mais il y a des fois dans la vie, nous traversons des événements mauvais. Peut-être il y a dans la vie, nous traversons des moments de haut et de bas. Bien, mais je ne sais pas les événements que tu as traversés dans ta vie. Bien, mais il y a des gens qui ont perdu l'argent. Il y a des gens qui ont perdu les familles. Il y a des gens qui ont perdu les enfants. Il y a des gens qui ont perdu les mariages. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu les postes. Il y a des gens qui ont perdu leur santé. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Ce sont des événements. Bien, mais les événements peuvent être négatifs. Les
les événements peuvent être négatifs ou positifs. Mais ici, les événements d'Abraham étaient négatifs. Et Dieu dit à Abraham, après tout cela, après tout ce que tu as traversé, peut-être tu as pleuré, peut-être il y a beaucoup de choses, peut-être moi je ne sais pas, mais toi-même tu connais les événements qui s'est passé dans ta vie. Tu connais tout ce qui s'est passé. Bien, mais tu as beaucoup pleuré. Bien, mais les événements qui t'a poussé même d'être froid dans la foi. Les événements qui ont refroidi ta foi. Les événements qui t'a poussé même de perdre la confiance à Dieu. Bien, mais il y a beaucoup d'événements. Peut-être que tu as traversé un événement qui t'a maintenant poussé à divorcer, qui t'a poussé à haïr les hommes de Dieu. Les événements qui t'a poussé d'haïr tout le monde. Tu as dit maintenant, je vais vivre seul, je vais quitter l'Europe, je vais quitter la France, je vais quitter l'Afrique. Je préfère être seul que mal accompagné. Ce sont des événements. Peut-être aujourd'hui, tu as perdu les enfants, c'est un événement. Tu as perdu le mariage, c'est un événement. Ton mari t'a quitté parce que tu ne conçois pas, c'est un événement. Tu as perdu l'emploi, c'est un événement. Tu es au chômage, c'est un événement. Tu étais malheureuse, c'est un événement. Mais ce soir, ce matin, Dieu veut te dire, après cela, je suis ton bouclier. Oh, Dieu voulait rassurer Abraham. Je vais te rassurer cette année. Dieu est avec toi. La Bible dit, notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il était le bouclier d'Abraham, il est aussi ton bouclier. S'il était avec Abraham, il est aussi avec toi. Alléluia. Oh, Dieu est avec toi. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bien, mais Dieu ne t'abandonnera point. Il est avec toi. Le problème, c'est quoi? Ne crains rien. Même si tu vois les sorciers, ne crains rien. Même si le monde change, ne crains rien. Parce que je suis ton bouclier. Parce que je suis ton Dieu. Je suis ton créateur. Je suis ton Seigneur. C'est moi qui t'ai appelé. Oh, ne crains rien pour ton ministère. Ne crains rien pour tes enfants. Tu dois concevoir. Si Dieu t'a laissé encore cette année, c'est parce qu'il a une mission avec toi. Dieu avait une mission avec Abraham. Il a dit, Abraham, je n'ai pas encore fini. Je suis ton bouclier. Mais le problème, c'est quoi? Abraham dit à Dieu, regarde dans ma maison. Je suis sans enfant. Je suis sans postérité. Je suis sans emploi. L'homme m'a chassé. Je ne suis pas considéré. Je ne suis haï. Les gens se moquent de moi. Regarde, j'ai Eliezer dans ma maison. Regarde, j'ai Eliezer. Je suis sans héritier. Je suis sans enfant. Bien, mais peut-être, oh, cet homme est parti parce qu'il a vu que tu avais un problème. Peut-être on t'a négligé parce que tu n'as pas de position. Oh, la nature te condamne. Tu n'as pas de position dans la société. Aujourd'hui, les gens te négligent parce que tu n'as pas de papier. Parce que tu n'as même pas acheté une parcelle. Tu as déjà 40 ans, mais tu n'as rien fait en Europe. Tu n'as rien fait dans ta vie. Oh, ta vie, c'est seulement l'alcool. Aujourd'hui, tu es dehors. Même tes enfants, tes propres enfants, oh, se moquent de toi. Même ta propre femme se moque de toi parce que tu n'as rien. Tu as perdu l'emploi. Tu n'as rien sur ton compte. Mais écoute ce que Dieu dit. Ne crains rien. Alléluia. Parce que la vie d'un homme appartient à Dieu. Personne ne connaît ton lendemain. Il n'y a que Dieu qui a l'explication de ta vie. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vie. La Bible dit un jour, Jérémie s'est lamenté, Jérémie pleurait beaucoup, et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Lorsque Dieu dit à Jérémie, il a dit, je te connaissais, oh, je t'avais déjà établi, ce n'est pas aujourd'hui, mais Dieu t'a déjà préparé depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, ton futur est déjà préparé depuis longtemps. Dieu voulait confirmer à Jérémie. Ce soir, je voulais encore te confirmer
que cette année, Dieu est avec toi. Malgré les événements, malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as vécu, l'Éternel est avec toi. Ne crains pas, toi qui me regardes aujourd'hui, ne crains rien. Mais toi qui me vois aujourd'hui, ne crains pas, parce que l'Éternel est avec toi. Oh, la Bible déclare, je te donnerai, je te bénirai. Abraham était béni de toutes les bénédictions. Abraham était béni par le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui était son bouclier. Même si les sorciers viennent, même si les choses viennent, tu as un bouclier. L'Éternel te défendra. Alléluia. Garde silence. Cette année t'appartient. Si Dieu a permis, après tous les événements, c'est parce qu'il a une mission avec toi. C'est parce qu'il a un projet avec toi. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Oh, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. La Bible dit dans le quatrième, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Ce n'est pas Eliezer, bien aimé, ce n'est pas la stérilité, mais tu as l'héritier. Bien aimé, il y a Christ, la Bible dit, nous sommes les co-héritiers du Christ. Ce n'est pas cette maladie, oh, ce n'est pas des mauvaises choses, parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ce n'est pas Eliezer. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas les chômages. Ta vie, ce n'est pas l'instabilité. Cette année, ce n'est pas l'échec. Cette année, ce n'est pas les combats. Cette année, ce n'est pas bien aimé. Oh, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais cette année, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel sera dans ta vie. Parce que la Bible dit, oh, la Bible déclare, c'est Dieu la restaure. Il a dit, je remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gazames. Et les élèques, ce ne sont pas des paraboles, ce ne sont pas des paroles inutiles, mais c'est la parole de Dieu. Tu as dit Abraham, oh toi qui es Abraham, ce matin, tu es Abraham, oh ce soir, Abraham c'est toi ma sœur, Abraham c'est toi mon frère, malgré les événements, ne crains pas, ne crains rien, parce que ton bouclier est là, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? Oh, avec Dieu. Dieu voulait rassurer Abraham que je suis avec toi. N'aie pas peur. Même si dans ta maison, il n'y a pas Isaac, mais tu as un Isaac. Bien, mais laisse-moi te dire, dans ta maison qu'on église, en toi qu'on église, il y a des bonnes choses en toi. Tu as une bénédiction. C'est parce que le monde n'a pas encore compris. C'est parce que le monde n'a pas encore vu ce que l'œil peut voir. Mais laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. La Bible déclare, un jour David dit, l'Éternel est mon berger. Je n'ai manquerai de rien, parce que c'est le berger qui cherche la nourriture, c'est le berger qui portait les brebis, et ton berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais ta maison, ce n'est pas ta maison. Ta maison, c'est la maison de Dieu. Ta vie, ce n'est pas ta vie. Oh, ta vie appartient à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh yes, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire j'aime la parole? Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, la Bible dit, c'est Christ qui vit en toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de représenter Dieu. Ne crains point. N'ayez pas peur. Bien aimé, ne crains point. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton Dieu. N'ayez pas peur. Tu as un Dieu. Tu as un Seigneur. Et le Rédempteur qui s'élèvera le dernier. Dieu s'est élevé ce jour-là pour dire à Abraham, ne crains rien. Je suis ton bouclier. Je suis avec toi. Mais cette année, ne crains rien. Dieu est avec toi. Même si les sorciers de la famille ont mangé beaucoup de sang, ça c'était avant.
ce n'est plus aujourd'hui. Ça, c'était avant, ce n'est plus maintenant. Parce que la Bible dit, il y a quelqu'un qui a payé les ordonnances, les actes, qui condamnait toute la famille à cause d'une parcelle. Ils ont bouffé les gens. C'est parce que tu étais encore poussière. Le jour où tu seras esprit, on ne peut pas manger un esprit. On est en train de bouffer parce que vous êtes des poussières. La Bible déclare, le serpent va manger les poussières. Mais un esprit, le serpent ne peut pas manger un esprit. Parce que toi maintenant, tu es esprit. Parce que Dieu est esprit. Tu es de la même manière que Dieu. On ne peut pas te bouger. On ne peut pas te bouger. Cette année, ils te feront la guerre. Ils ne te verront jamais. Alléluia. Tu vas marcher la tête haute. Tu seras la tête et non la queue. Cette année, tu vas prospérer. Tout ce que tu entreprendras va réussir. Parce que l'Éternel est avec toi. Il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moïse a affronté Pharaon. Moïse a traversé la mer. Peu importe la mer, tu vas traverser parce que l'Éternel est avec toi. Oh, si je vis, c'est le Fils qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en toi. Et tu vas te marier. Oh, ma sœur, tu auras ton diplôme. Oh, mon frère, tu vas atteindre le niveau que tu veux. La Bible dit seulement, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Malgré les événements, ne crains rien. Malgré ce qui s'est passé, ne crains pas. Ton bouclier est là. Ton Dieu est là. Je veux te rassurer. Je veux te confirmer. Je voulais te rappeler encore que tu as un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était mort et ressuscité sur la croix. La Bible déclare, ce jour-là, il a déclaré, tout est accompli. Oh yes, tout est accompli dans ta vie. Ne crains rien. Les événements sont passés. Dieu dit, tu as une postérité. Tu as la bénédiction. Oh, la Bible dit, ce jour-là, Abraham a encore confiance à Dieu. La Bible dit, il a eu confiance à Dieu, lui imputa à justice. Bien-aimé, confiance à Dieu, parce que Dieu est avec toi. Ne crains pas, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va marcher avec toi. Il sera ton bouclier. Il sera ton berger. C'est Dieu qui pourvoira pour toi. Ne calculez pas les choses. Ne calculez pas le temps. Ne calculez pas les gens. Bien-aimé, regarde le Seigneur. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Cette année, le secours vient de l'Éternel. Si les années passées, le secours venait quelque part. Mais cette année, notre secours, c'est l'Éternel. Nous allons lever nos yeux parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui rend prospère. Alléluia. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Il a dit, tu auras la postérité. La postérité viendra en toi. Oh, je déclare sur toi la prospérité. Je déclare seulement et je proclame, je pronostique une vie de victoire, une année de grâce, une année de bénédiction, une année de restauration, une année de multiplication. Oh, toi qui étais stérile, je déclare et je proclame la multiplication parce que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Je proclame maintenant la liberté à tous égards, la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez prospères. Personne ne peut retenir ta bénédiction. Personne ne peut combattre ta vie parce que ta vie est cachée en Jésus. Ta vie est cachée en Christ. Oh, tu es le premier. Tu n'es pas le dernier. Et tu es en haut. Tu n'es pas en bas. Alléluia. Père, merci. Nous te bénissons, éternel et Dieu. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Yahweh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La Bible dit tout ce qui sera lié sur la terre est lié dans les ciels. Yahweh, je suis en train de lier maintenant. Yahweh, les bonnes choses. Je suis en train de lier la bénédiction. Je suis en train de lier sur cette terre et que le ciel puisse approuver toutes les choses. La bénédiction pour ma sœur et mon frère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.